Coucou. Yo tout le monde. Hey. On se retrouve pour une vidéo détente. Une vidéo détente. Bon, il pleut. Il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien. Non, normalement, si ça coupe pas. Ça coupe pas, oui. C'est la deuxième fois qu'on l'a fait. En fait, on va la refaire une deuxième fois. Parce que... Mais du coup, je veux bien ton téléphone pour voir ce que j'avais dit. Je sais même plus. Oh putain, et c'est une. Alors, mais non, mais on s'en fout. C'est une vidéo détente. Ça vient par la tête. Il n'y a pas de trucs. Oui, ça vient par la tête. Ça semble logique. Non, mais ça vient genre d'un coup. Voilà. D'accord. Alors, le premier truc. Enfin, on va expliquer notre carrière en fait d'équitation, parce que nous, t'as dit ça. Ah oui, et est-ce que vous voulez des lives? Ah oui, est-ce que ça vous plairait si on fait mettez en commentaire? Ah, un commentaire. J'ai le truc qui bouge, c'est ça. C'est moi, le téléphone, il a fait tout. tout. Donc voilà, bon, du coup, Léonie, tu peux commencer avec ton moment, non, le début. Tout début. Enfin, comment t'as commencé? Le début de ma carrière, la première fois que je suis montée à cheval, c'était pour une balade. Donc, j'ai fait une petite balade dans Blaye. Et c'était sur un poney qui était noir. Voilà, je suis un peu du monde, on ne m'en est pas. Je suis assez chouette. Voilà. Et genre en fait et ça m'avait hyper plu et genre à chaque fois je faisais des caprices pour mon tâche. Ce jour-là, genre quand mon père m'inscrit pour la balade, c'était pas pile le jour où il m'a inscrit que je l'ai faite. Du coup il avait fait un gros caprice on va dire pour faire la balade. Et ensuite vers je crois mes 9 ans, j'ai commencé l'équitation et genre, je suis allée dans un équestre, il y avait plein de chevaux hyper gentils. Le premier cheval que j'ai monté ça s'appelait le César. Le premier cheval que j'ai monté il s'appelait César, pardon. Et Alice vient de se faire peur tout seul là, je vais pas dire. Ouais, non, mais elle est pas bien. Et ensuite, il y a eu Seven qui a sauvé de l'abattoir. Oui, non, mais raconte-moi. Alors, moi, c'était. Seven, il a été sauvé de l'abattoir? Oui. Oui, t'étais pas au courant. Oscar aussi. Ah ouais? Oui. Tous les fjords, ils vont à l'abattoir. Oh, le poney. Mon poney. Oh. Le poney, c'est pas un fjord. Ah, si. Je les crois, j'ai fjord. Bon, moi, je peux faire. Merci. Oh, le respect. Alors, moi au début, j'avais. Arrête! Non! Putain, tu fais chier! Bon, je peux parler! Viens, on va se battre! Allez! Alors, moi au début, j'avais peur des chevaux. D'accord. Moi au début, j'avais. Mais parlez-moi fort par contre! Moi au début, j'avais trop peur c'est des bon, chevaux. On s'est fait que là. Allez, c'est bon. On a escalé. Non, mais je voudrais parler! Oui, tu peux. Putain, mais je sais pas ce que je voulais dire. Alors, au tout début, j'avais hyper peur des chevaux. Et ma cousine, elle montait à cheval. Mais tais-toi! Mais ma petite cousine, elle montait à cheval. Allez, chute, Léonie. Je vais me tuer. Viens, Naya parle et tu t'en fous. Oui, c'est ça. Je peux pas parler si tu as capté. T'as qu'à t'entacher la caméra et tu vas revenir. Alors. Alors, c'est ma cousine qui montait à cheval. Et du coup, moi j'allais la voir, sauf qu'en fait, je m'approchais pas des chevaux. J'avais peur de peur. Oui, j'avais peur des chevaux. Ah, c'est bon. Oh. C'est bon, j'ai le droit d'avoir peur de quelque chose, dis-moi. Bah oui, et du coup. Mais puis, t'as peur de quoi? Non, j'ai cassé. J'ai la phobie des poupées. Ah non, voilà, maintenant vous savez, j'ai la phobie des poupées. Ah oui, c'est vrai. Moi j'ai la phobie des poupées. Alors, j'ai trop de phobies, je peux pas toutes les citer. Bon, on est parti sur un truc phobie ou pas là? Ouais. Oh, ça pourrait trop bien, on le fait à la fin. On fera sur une autre vidéo. Ah oui. Alors, merde, on était où? Ah oui, et du coup, c'était mon grand-père qui m'a proposé de faire une balade à poney du coup, dans le club à ma cousine. Au début, je voulais pas. Et depuis. Et non, après, je suis montée ici là-bas. Oui, je sais. Du coup, c'est ma mère, après, elle a commencé à insister. Et du coup, elle m'a inscrit ici. Et j'ai fait mon premier cours. Bon, je faisais un peu la gueule. J'étais obligée de faire du poney. Parce que j'étais timide. J'étais beaucoup trop timide. Là, je suis beaucoup moins timide. Mais non, mais là, je suis là. Avant, j'aurais eu du mal à te parler. Et je sais, ma mère, quand tu viens chez moi, ma mère, elle m'a dit tu lui as coupé la langue, elle est, ou comment ça se passe? Et du coup, j'ai fait un cours et depuis, j'adore les poneys. J'en ai même un, tu vois. Donc, j'adore les poneys. Et à moi, du coup, j'ai commencé l'équitation, mais avant, je voulais absolument faire du cheval, mais bon, je connaissais pas trop. Enfin, je voulais absolument faire un sport, mais je connaissais pas trop. Et je voulais vraiment faire du poney parce que c'était les chevaux, c'était la classe, quoi. C'est la classe. Et du coup, ma mère, elle faisait des petites balades. Mais genre, en fait, c'était avec son travail.
bon, elle a un travail assez particulier, du coup, elle allait avec des personnes handicapées à l'équitation pour les soigner, tout ça. En fait, c'était de l'équitation, je sais pas quoi là. Comment ça s'appelle? L'équitation? L'équitation, non. Non, mais c'était un truc comme ça. Et du ouais, coup, je. Voilà. C'est pas de l'équithérapie, comme ça. Oui, voilà, de l'équithérapie. Oh, je suis trop fort! Et du coup, un moment dans ce club-là. J'ai commencé à faire une balade, enfin non, en cours, j'ai commencé à faire un cours. Mais putain, la vie, c'est chiant de la marque, vraiment. C'est chiant, quoi. Ah! Bon, voilà. Du coup, en fait, j'ai commencé à faire l'équitation avec des balades et tout. Et. Bah oui, vous êtes chiante là. C'est elle là! Et du coup, j'ai fait donc quelques balades, ça fait 3 fois que je répète, mais c'est pas grave. Oui. Donc j'ai fait quelques balades, enfin genre une fois par mois je faisais quelques balades, quelques cours, voilà. Et quoi? Ouf. Et, allez, et du coup à force mais je demandais de plus en plus à faire l'équitation, mais bon bah mon père en fait il voulait pas, ma mère ça la dérangeait pas, mais mon père il avait peur. Je sais pas exactement pourquoi, mais je pense que c'était pour ma sécurité. Parce qu'il avait déjà vu des chutes assez impressionnantes. Enfin voilà, du coup il avait peur pour. Enfin, je pense que c'était pour ça. Enfin, je sais pas exactement. Tu fais mieux, ou pas, tu fais mieux ça. Et du coup, bah après à mes 7 ans, j'ai eu un anniversaire. Enfin, c'était mon anniversaire à mes 7 ans. Et j'ai eu un sac où dedans il y avait une bombe. Je me souviens, il y avait une bombe, des boots, des chaps, un gilet de protection. Et des affaires d'équitation, et j'étais en mode pourquoi il m'offre ça si j'en fais pas. Et après j'ai vu un papier où il avait marqué on t'attend pour ton premier cours d'équitation au club, enfin voilà. Enfin, c'était vraiment trop bien, et du coup bah voilà, depuis bah, j'ai fait d'équitation. Voilà. Après c'est notre meilleur moment à cheval. Et t'as pas dit toi en fait quoi? Ah si, si, c'est si. Wow. Notre meilleur moment à cheval? Oui. C'était ça non? Oui. Je connais là par cœur, c'est moi qui les ai dit au début. Je me souviens même. Allez. Je me souviens plus. Mais on commence, c'est nous. Ah non, j'ai pas envie. Oh, mais ah, putain. Si, pardon. Ah oui, c'est quand t'as remonté au jument, là. Ton premier meilleur moment. Aucun meilleur moment. Ton premier meilleur moment, enfin ton meilleur moment que t'as passé à cheval. Ah. Ton meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai monté une jument que je connaissais à peu près, enfin je l'avais déjà montée une fois, et en fait je l'ai aussi pour mon passage de galop 2, et en fait je la connaissais à peine, c'était que la deuxième galop là. Et j'ai le galop 3. Ah. Et j'ai passé mon galop 2 avec elle, je la connaissais à peine, j'avais monté qu'une fois, et en fait j'avais sauté des obstacles que j'avais jamais sauté avant, et voilà. Et quand je les avais sautés, et en fait j'avais tout fait bien, j'avais une grave note, et en fait elle a un peu tout fait d'ailleurs, parce que moi j'avais fait un virage de merde et tout, et elle a carrément tout rattrapé, j'étais en mode oui, et je l'adore, c'était mon meilleur moment de ma vie. Voilà, c'est fini. Alors moi, ah non, tu sais quoi, mon meilleur moment? Ah oui, c'est quand j'ai eu volcan. Ah oui, j'arrivais plus à parler, j'étais devenue muette, voilà. Et je me souviens même que, genre, en fait, avant elle avait essayé le cheval. Parce qu'en fait c'était une surprise, enfin normal quoi. Ouais. Et je croyais que c'était pour Caro. Elle m'avait dit que c'était pour. Oui, elle avait dit que c'était pour le club et tout. Et en fait, du coup, elle avait fait essayer à Maya. Et d'ailleurs, je me souviens, moi j'étais hyper jalouse. Parce que je me disais, mais pourquoi elle le fait essayer à elle et pas à moi? Non, mais je te jure. Hein. Et bon, bref, et du coup. Tu savais pas que t'étais jalouse? Je sais que je suis faire la gueule. Oui, non, mais après. Après en fait dès que j'ai su que ça allait être ton cheval, mais je l'ai su genre 2 semaines après, avant que t'aies ton cheval. Ouais. Du coup bah j'étais contente pour toi, enfin j'étais vraiment. J'étais limite comme toi en fait. Ouais. Enfin voilà. Et en fait avant elle m'avait envoyé des messages d'elle, enfin des photos d'elle sur Volcan. Il y avait ouais Volcan c'est mon bébé, je l'adore trop, c'était mon cheval. Enfin si je devais choisir un cheval, ça aurait été lui direct et tout. Enfin vraiment je me souviens. C'était vraiment Tiffany, je crois que c'est mon nom. Oui, Tiffany, elle veut dire au revoir. Au revoir. Bon bref, et du coup, bah voilà. Ouais. Du coup, il faudrait que tu trouves la vidéo. Et c'est à toi maintenant. Oui. Donc moi, mon meilleur moment, c'est quand la première fois que je suis sortie en concours, j'étais fière de moi, j'étais. C'était bien. Après, il y a aussi le meilleur moment, genre. Comment t'étais? Non, je suis le meilleur. Je crois que je suis regardée les Oui. Et donc du coup en fait moi
Mais je parle beaucoup trop dans cette vidéo quand même. Oui, vas-y, continue, c'est bien. C'est bien. Bon, c'est pas grave. Alors, ben moi, c'était quoi? Je sais plus, je t'avais dit quoi tout à l'heure? T'as commencé 2 ans pour moi. Non, un an. Non, 2 ans pour moi, le concours. Ah oui, le concours, oui. Je pensais que tu parlais. Non, le concours. Non, mais sinon, après, il y a aussi quand. Quand je bats mon record de saut, enfin par exemple là pour l'instant moi c'est 1m15 comme moi, voilà, mais c'est ce que je préfère, enfin genre je suis fière de moi à chaque fois, donc voilà, c'est un truc qui fait dire après. Oui mais c'est pas grave. Oui bon voilà, enfin, je suis contente, c'est vraiment voilà. Après c'était notre pire chute, Léonie. La pire chute c'était à ma préparation au galop quand je me suis littéralement pété la gueule comme une merde d'Alipso. En fait il a fait du galop, il a baissé la tête, je suis partie avec, il m'a donné un coup de sabot dans la nuque, ce qui a fait que j'ai eu un début d'entorse cervicale. Non moi j'ai eu complètement entorse en fait. Moi je sais plus s'il avait dit début ou entorse cervicale, j'ai une mémoire très très courte, voilà, merci. Non, ensuite après je suis retombée cette fois sur le coccyx et j'ai dit non c'est bon je suis KO, j'arrête. C'est bon, je remonte plus là, c'est bon. Alors moi c'était au jumping de chalet, en fait les distances étaient très mal calculées. Du coup volcan après le monde d'après lui, je crois que j'ai vu la vidéo mais en fait je voyais à peine parce qu'il y a ma mère qui a direct baissé la parole, tu vois. Bah normal, elle va pas encore s'il lui a fait mal. Allez, on va la voir. On va voir des buts. Du coup, j'ai pas pu trop voir, je m'en souviens à peine de ma chute. Mais moi, j'étais pas là ce jour-là. Ouais. Mais c'est quand on m'a raconté. Oh là là. Ouais. On va dire après. Et du coup, il a pris une longue et il s'est emmêlé les pinceaux. Il était tombé avec moi. Et du coup, coma crânien, entorse de cervicale, retour à l'hôpital. Et quand je me suis réveillée à l'hôpital, je pleurais. Ah ouais, ouais. Parce que en fait, je voulais pas. Je me suis dit avant d'aller à Chalet, cette fois, je suis qualifiée pour Chalet. Parce que tu sais, l'année dernière, j'étais. Faut jamais se dire ça. Mais ouais, je me suis dit, mais allez, on va réussir. Enfin, ou alors même, j'essaye de bosser, bien faire mes courbes et tout. Et du coup, en fait. T'avais fait une détente comment? Bah, catastrophique comme d'habitude. Ça a pas marché ce jour-là. Ouais. Tu sais auquel elle est tête. De quoi? Non. C'est un faux que j'ai gagné à Saint-Antoine. Cette année. Oui, mais je sais pas. Non, on l'a pas vu. Je pensais pas qu'il y avait des concours au lycée. Ah si, il y a un concours au lycée. Pardon. Tu savais pas? Non. Et bien maintenant, t'es au courant. Voilà. Merde, on t'a eu. C'est à Amy. Oui, c'est à toi. Ok, donc en fait, merci. Participe. Oui. Il y a un public qui a. Moi, je suis tombée la même journée. En fait, ce jour-là, c'est la préparation du galop 4. Et en fait, on est tombées toutes les 4. Toutes les 3. Ah oui, on est 4. Tu sais, tu m'as même dit. 1, 2, 4. On est tombées toutes les 3 deux fois. Ouais. Deux fois, ouais. Toutes les 3. Non, même pas toutes les 3. Deux fois, non. Non, ouais, deux fois. Une fois sur l'auxerre et une fois comme une merde. Je passais sous ses pieds. J'ai glissé comme ça. Non, je te jure, j'en pouvais plus, j'ai glissé, c'est bon. Je me suis retrouvée sur que j'étais en putain. Non mais moi après c'était... Du coup en fait j'ai fait un cercle, c'était pour sauter un auxerre de 70 cm à peu près. Et donc ça va, enfin j'ai l'habitude de sauter ça, enfin ça va. Ça va. Et en fait la jument elle est partie au galop mais à fond. Donc je montais Ilona, donc c'est une jument qui a beaucoup de chance. Maintenant elle s'est calmée mais voilà. Et donc en fait elle a fait un cercle, enfin je devais faire un cercle pour la calmer. Et en fait la monitrice, donc Clotilde, elle... D'où tu touches mon cœur, toi? Non, c'est bon. J'ai juste voir les vidéos s'il y avait un moment de qualité de son. Allez, c'est bon. Et donc en fait c'était Clotilde et elle me fait bon bah vas-y. Et du coup mais la jument elle était toujours à fond parce que c'était vraiment voilà. Et Léonie on ne voit plus du tout. Attends mais j'ai une photo de moi quand j'avais mon... Ma minère. Merci. Et du coup, après, est-ce que tu peux raconter Léonie parce que moi je m'en souviens plus en fait. De quoi? T'es à où toi? De après le cercle. Je peux se souvenir. Après ça, genre après voilà. J'avais mon idée, je t'en. De après le saut? T'es pendant le saut. Pendant le saut. Pendant le saut, en fait, elle t'a fait un coup de cuisse qui t'a déséquilibré et ensuite en réatterrissant quelques foulées après, elle t'a remis un coup de cul et tu t'es tombé et. Ensuite, tout le monde est descendu de son châle pour venir te voir, même ma monitrice et tout.
Voilà, tu fais le réveil parce et que. Et parce qu'en fait, elle est partie au galop, c'est ça? Oui. Elle est partie au galop et après elle m'a donné plein de coups avec. Oui, elle t'a donné un coup de. Enfin... Je crois que tu t'es pris un coup de sabot dans la gueule. Oui, parce que je me souviens. Parce que, en fait, je crois qu'elle avait mis un coup de pluie. En fait, le sabot est arrivé parce qu'il y avait une trace sur ma bombe. Et ouais. Caro, elle dit à ma mère. Non, mais parce que. Il faut la bombe, hein. Je vous préviens. Oui. Voilà, c'est pour ça. Ah, mais parce que j'aurais pas été. En fait, elle se peut se décaler parce qu'en fait, je suis vraiment pas dans le cadre. Moi, il y a 20 cm pour moi et il y en a 30 pour vous. Moi, je suis allée, en fait, j'aurais plus de tête. Oui. J'aurais déformé la tête. Oui, parce que ma bombe, en fait, elle était morte juste après. On me l'a pas montré, mais. Non, ça c'était avant. Non. Si, je me souviens parce que c'est ma dernière chute. Bref, du coup, en fait. C'est pas grave. Allez. Oui, allez, c'est pas grave, on continue. Je m'étais à où, du coup? J'en sais rien. T'en étais à toi. Inès, elle est à toi. Ah oui, ma. Caro, elle avait dit à ma mère. Céline, bah du coup ma mère, tu feras pas gaffe hein, sur la bombe de ta fille, il y a une marque de sabot, t'inquiète pas. Faudra juste lui donner un doliprane ce soir, mais t'inquiète pas, rien de grave. Ma mère est en mode. Pardon ? Une marque de sabot sur le casque de ma fille. Marque de crâne ? Ah non mais. Oui, c'est, elle voulait pas que. En fait, elle voulait pas que tes parents s'inquiètent. On a fait du hors-bol. Mais ma mère, ça l'a inquiété plus qu'autre chose. Hein. Mais oui. Ça l'a vraiment, elle est en mode. Quoi? Pardon? Est-ce que une trace de sabot là? Plus un doliprane ce soir? C'est passé un truc là! Ah, Fabio aussi, il en a marre. Ouais, il en a marre de nous entendre. Il y a un poney! Bah oui, voilà, il y a un poney. Viens de battre si t'es un poney. Bah t'es pas un poney, tu en cul dans ton bois. Mais du coup, est-ce que je suis restée longtemps par terre ou pas? Oui. Pas trop longtemps. Enfin, ça. Enfin. Contrairement à moi, quand j'ai été KO. 2 minutes à peu près. 2 minutes? Bah, même un peu moins, 1 minute. Ouais. Ça fait 1 minute. Genre en fait je suis tombée, genre quand ça tombe, en fait je me suis réveillée. Enfin genre en fait j'ai ouvert les yeux, j'étais déjà assise. Oui. Et enfin, en fait, je me rappelle que quand j'étais assise, en fait pour moi genre j'avais quitté le cercle et j'étais encore dans le coin et l'obstacle il était là. Après c'est comme si j'avais fermé les yeux et dès que j'avais fait ça et je les avais rouverts, et bien j'étais assise par terre et il y avait tout le monde autour de moi. Et je me souviens quand je me suis réveillée, ça faisait comme dans les films. C'est genre, tu vois, tu fais ça comme ça plusieurs fois et puis au bout d'un moment, tu vois clair. Ouais, c'est mais moi, au début, tu vois tout violet, tout flou. Enfin, c'est vraiment... Tout violet ? Non, mais je suis genre, moi, j'ai vu tout violet. Ah, moi, non, j'ai pas vu violet. La vie en rose. Non, je vois la vie en rose. Pour ma chute. Non, mais pour ma chute, tu sais, regarde, que tu j'ai sais eu un clip. Tais-toi. Je me suis souvenue d'un truc. C'était, j'étais allongée sur le lit d'hôpital, tu sais, on m'emmenait, mais en urgence et tout. Ah oui. J'étais allongée sur le lit d'hôpital et là, je sais que à ce moment-là, j'avais ouvert les yeux. Et c'est que cette scène où je m'en souviens et après c'est à l'hôpital. Là. Sur le lit avec mes parents assis à côté. Mais je me souviens. Dès qu'ils m'ont vu pleurer, ils étaient oh, putain, non. Oh putain, non, elle chiale, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, en fait, t'as eu quoi? Enfin, genre, ils t'ont pas opéré, ils t'ont rien fait. Non. Attends, je me sers le cas, c'est tout. Merde. C'est tout, quand même? Ça aurait pu être pire. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais bon, quand même. Je préfère avoir une entorse de cervicale que être déformée. Moi, j'ai rien eu en vrai. Hein. J'ai rien eu quand même pour ma chute. Oui, genre, j'ai eu hyper mal à la tête. Vraiment, bon, sinon, tu serais resté. Pas dans le coma, enfin, tu serais resté évanoui encore content. Oui, bah oui. Mais parce que. Par contre, je me souviens. Après, j'avais monté les cas. En fait, je suis en train de penser, dans tous les cas, ta bombe, elle aurait été pétée. Oui. Parce que pour se faire les trucs, ils n'ont pas le droit de t'enlever. Enfin, ils sont obligés de te casser la bombe, ils n'ont pas le droit de te l'enlever avec le truc. Oui, ils sont obligés de te détruire. Ils sont obligés de mais de toute façon, en gros, il a payé 5000 balles, ils s'en foutent, il la pète quand même. Oui, Non, mais c'est comment il m'avait déchiré en mon collet de concours que ma grand-mère m'avait offert. Oh non. C'est le rouge avec les étoiles là. Oh non, il était trop classe. Mais après, ma grand-mère, elle me l'a racheté. Putain, et quand on m'a dit ça, j'étais oh putain, mais comment elle va réagir quoi. Enfin, je sais pas, c'était un cadeau de ma grand-mère quoi. Enfin, voilà. Ah bah tu es vraiment. Et ouais, c'était mon polo préféré. Et je me souviens en plus, je me suis tapé une chute juste après. En fait, ça fait 3 heures qu'on est sur la même chose. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, ça fait 10 minutes. Ça fait 20 minutes qu'on te rend. Oh, bon, bref, et du coup, je me souviens. Après, Caro, elle m'avait fait remonter. Elle nous avait fait remonter toutes les deux. Parce que du coup, on avait eu grave peur parce qu'on a fait quand même des chutes pas mal. Bah, surtout moi ce jour-là. Moi, je suis juste tombée comme une merde de fois. Voilà. Mais en plus, il y a que nous qui sommes tombés. En fait, je me souviens. Les grosses merdes, il y a que nous qui sommes tombés. Les grosses merdes, tu vois. Et du coup, en plus, c'était la préparation du galop 4. Non, moi, c'était vraiment la préparation parce que c'est la. Enfin, toi, c'était le passage. Coup, moi, c'était. Non, c'était Elle a passé. Oui. Et moi, je l'ai passé. On l'a eu. 3 plombes après, j'ai pu faire mon moi, chose, je l'ai eu parce que, en fait, la reprise de dressage, c'était parfait.
j'ai pris Caro. Voilà. Oui. C'était parfait du coup. Après, Caro, elle a pas pris en compte trop mes chutes parce que Volcan elle avait ses problèmes aussi. Du coup, et je remercie. Je me souviens du coup, après, on avait sauté un petit peu toutes les deux. Et je me souviens que j'avais pris Rétal, donc mon poney, enfin. Donc petit chouchou. Voilà. Voilà. Et du coup, en fait, je me souviens que tout le monde, enfin, dans le pré, en fait, le pré il était juste derrière la carrière. Et en fait, ils avaient tous donné des coups de cul. Et là, Rétal, du coup, les a vus. Et pour, avant d'aller sauter sur un obstacle, donc moi, je préviens, j'avais plus de jambes du tout. Ouais, t'avais vraiment. Je n'avais vraiment plus rien. Et du coup, genre, j'avais plus de jambes du tout. Enfin, c'était vraiment. Voilà. Oui, allez, continue, ça fait 3 heures qu'on est sur le même truc. Et hein. Du coup, il a donné un coup de cul et moi je suis partie. Ouais, en avant comme ça. Allez, bon, moi, bon, je suis partie. J'étais à moitié pétrie et à moitié inquiète en fait. Mais en fait, j'étais tellement vexée que je me suis mise à pleurer tellement j'étais vexée. Mais sinon, enfin, ouais. Si je. En plus, c'était pas de sa pote, c'était juste parce qu'il avait envie de jouer avec ses amis. Ouais. Et moi, en fait, bah, oui. Moi j'étais à moitié. Quoi? Ah mais là mais j'étais vraiment tombée mais j'étais vraiment Moi j'étais à moitié pétée de rire parce que c'était une chute de merde. Hein, d'un côté j'étais inquiète parce qu'en fait t'étais déjà tombée avant et ouais, tout. Bah oui. Et quand tu t'es relevée tu pleurais et tout. Je crois. Ah mais oui je pleurais parce tu que pleurais, j'étais. En fait je me suis. En fait je suis tombée, j'étais par terre comme ça. Ouais, après je me suis relevée. Qu'est-ce que je fais? C'est ça. J'ai descendu, je reste, j'ai descendu. Après je me suis relevée, j'étais en pleurs parce que tellement enfin genre. C'était vraiment genre. La chute de merde pour combler ta journée. Voilà. De merde. Toujours une chute de merde. C'est ça, mais vraiment, c'était vraiment chute. Toujours une chute de merde. En fait. Bref, on passe au tour. Alors, c'est après, c'est quoi c'est de quoi, t'étais le plus moment fière. Où on est plus fier. Voilà. Léonie, vas-y. Alors, moi, c'était à la fin d'un cours. Je m'étais fait embarquer par un cheval cinq fois pendant le cours. Et genre, vers la fin, il a essayé de me réembarquer. Donc, il m'a quand même, avant que je puisse l'arrêter, il m'avait quand même embarqué pendant 5 minutes. Voilà, je faisais des tours dans la carrière tranquille. Je me souviens, moi, c'était un obstacle. Tout le monde était parti, moi j'étais tout seul dans la carrière, tu sais, c'était la fin du cours. Ouais. Tu sais, quand tu commences à faire le galop, tout le monde avait eu le temps de descendre et tout. Et moi j'étais toujours en plein galop, je disais, mais arrête-toi. Je te jure, c'était horrible. Moi, il y avait tout le monde qui s'était mis sur la piste, tu vois, sauf que tu vois, genre, t'avais les obstacles au milieu et t'avais la piste, sauf que t'avais pas beaucoup d'espace. Et lui, il faisait exprès de passer là. Et j'adore parce que mon ancienne maîtrise, en plus, elle était grave chiante. Et genre, elle me fait, bon, tu l'arrêtes, oui, tu vas me blesser un autre cheval si tu continues et tout. J'étais en mode ben merci, t'as qu'à monter dessus toi. Et genre lui qui continue à me remarquer et puis moi j'avais fait bon ça y est tu me saoules, j'ai donné un gros coup et ça. Et il y a tout le monde qui m'a applaudi d'ailleurs. D'accord. C'est un petit moment de gloire. Moi c'est quand j'ai pris. Moi c'est quand j'ai pris Twister en concours. C'était son troisième concours, je crois. Twister. Regarde là, la tête. Il y a Laurie en plus qu'il avait pris juste avant moi. Ah, oui. Elle est meilleure que moi, enfin voilà. Bah, elle est beaucoup quoi. Mieux que moi. Enfin voilà. Et du coup, en fait. Ah. Non. Oh. T'es le 7 ? Non. Non. Mais non, mais le galop 7. Je vais gâcher ma vie là ! Non, mais le galop 7, tu peux le passer, mais que quand t'es majeur. Ah bon ? Oui. Caro, elle a le galop 7. Caro, elle. Mais je crois qu'elle a le galop 7. En vrai. Je crois qu'elle a le galop 6. Non, elle passe son galop 6. Ah non, vous venez de gâcher ma vie. 6. Non, mais elle monte. Elle monte super bien, en plus ça fait bien longtemps qu'elle monte. Et du coup, mais juste avant mon. Bah, pas avant moi, il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était sur une prépa 65 à Saint-Antoine. Et du coup, elle était tombée parce qu'en fait, il y a eu séparation de corps. Twister, en fait, il devait partir à gauche. Donc, elle était partie à gauche, Laurie, et Twister était partie à droite. Ça fait séparation de corps. Et du coup, après, moi, je suis passée 5 tours après. Ça du coup. Mais tais-toi! On va parler. Mais ouais. Non! Non, bah, allez, vas-y. Pardon. Mais du coup, au début du parcours, en fait, bah, je ne contrôlais pas trop. Enfin, voilà. J'essayais de faire comme je pouvais. Et arrivé, c'était après le numéro 6. En fait, j'ai pris la crinière et j'ai commencé à écarter à gauche. J'étais tu tournes. Et du coup, en fait, elle a tourné. Elle a même pas essayé. Donc, j'étais hyper contente. Et du coup, après, j'ai fait mon parcours, en fait, récompensé. T'as bougé le téléphone, là. Récompensé et tout. J'étais. Dégage, tant pis. J'étais hyper fière de moi. Voilà. Bah, oui. Ce que j'ai réussi à faire et ce que Laurie n'avait pas réussi à faire. Bah, oui. Allez, chez. À toi, Amy. Mais moi, en fait, j'ai pas vraiment. Enfin, genre. J'ai été fière de moi. Mais en fait, ça revient à mes meilleurs moments parce que. Enfin, genre, ouais. Dans mes meilleurs moments, en fait, je suis fière de moi. Du coup, ça revient au même. Ouais, voilà.
Du coup, bah, on passe à la suite, au dernier truc. C'est le meilleur moment qu'on a passé toutes les trois. Ah oui, je sais pas. Ah oui. Je sais pas. C'est quoi? Maintenant. Ouais, c'est ça. Bah, mais au pire, si, pour le... Bah, pour la vidéo qu'on a faite aujourd'hui, qui va bientôt sortir. Je sais pas si ça sortira au pire, avant. On la sera après. Comme tu veux. On la sera après, parce qu'elle, il y a pas longtemps, je la mets sur mon PC et je l'envoie, c'est bon. Ouais. Donc, du coup, elle sortira sûrement après. Qu'on a tourné aujourd'hui. Donc une vidéo surprise. En fait, on tourne plein de vidéos aujourd'hui. Ouais. On est dimanche 8 avril. Ouais. Il est quelle heure, s'il te plaît? Il est 14h30. 14h30. Okay, donc en fait, c'est une vidéo surprise qu'on vous a concoctée. Voilà. Ouais. J'ai plein d'amis qui sont donc on vous dira pas ce que c'est. Vous pas craindre. On vous dira pas ce que c'est. Voilà. Par contre, je crois qu'on a entendu. Je crois que je l'ai dit en fait. Pas grave, si vous n'avez pas entendu, tant mieux, tu vois. N'essayez pas de chercher, ça sera surprise. Surprise, motherfucker. Bien, je sais plus bien en plus. Ouais. Ton chat, il faisait bien en plus, surprise. Surprise. Et Ah oui, dans la boîte, là. Dans la boîte. Trop vite, mon chat a fait le coup. Oui, dans une boîte. Il faut plus cabrer là-bas, c'est trop beau. C'est so beautiful. Oui. Du coup, voilà, c'est aujourd'hui. Dimanche 8 avril 2018, vous pouvez noter ça à 14h30. Ouais. Et c'est notre meilleur moment. Voilà. Aïe. Je fais une capture d'écran pour la peine. Voilà. Bon, bah, du coup, la vidéo est terminée. Hein. Voilà. Ah oui, n'oubliez pas de mettre en commentaire si vous voulez une FAQ, si vous n'avez pas encore mis. Non, bah, une FAQ. Une FAQ, un live. Oui, donc n'oubliez pas de mettre dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un live un jour. Un jour, le public il demande un live. Hein. Donc voilà, peut-être pour après une présentation d'installation, une idée aussi. Ouais. Des idées de vidéos et tout ça. Ouais. Et si vous avez des idées de vidéos, il faut quand même les mettre. Oui, parce qu'on est en manque là. Non, c'est la dèche. C'est la dèche dans notre cerveau. C'est la dèche de notre cerveau. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça nous donnera du courage. Ça nous donnera du courage. Vous abonner. Activez la petite cloche de notification. C'est important. Voilà, sinon vous pouvez pas être au courant quand on fait d'autres vidéos. C'est important. Ouais. Vous ne pourrez pas être au courant pour la vidéo spéciale après. Ah bah oui. C'est là. C'est chou. Oh mon dieu. On aurait dit qu'elle est... Bref. Donc voilà. Donc à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. J'ai failli dire peace. Mais tu fais trop de plagiat, ça se voit pas. C'est la vie, elle est trop accro à cette vidéo. Alors du coup, elle s'est trop peace. En fait, j'ai envie de le faire, mais je ne le ferai pas. Voilà. Allez, à plus.